nous y sommes. La quatrième maison du zodiaque. D'après les pages horoscopes des magazines, c'est celle du cancer. C'est hier, mon ami. Peux-tu me dire où en est l'horloge? Au quatrième top, la flamme des Gémeaux viendra de s'éteindre. Il ne nous reste donc plus que 9 heures pour venger la mort de Saori. Je ne suis pas encore morte, espèce de crétin! Non, chérieux, il ne faut pas dire ça! Ah, enfin! Il faut rester positif et se dire qu'il reste encore 9 heures pour venger la mort de Saori. Oh oui, tu as raison. Il nous reste encore 9 heures. Peut-être, mais c'est pas beaucoup. Cette musique inquiétante ne me dit rien qui vaille. Et crotte, je crois que j'ai marché dedans. Plétine ? Henri ! Regarde où tu mets les pieds ! Tu marches sur la tête d'un type ! Mais il a qu'à pas dormir par terre, lui aussi ! Ah ! Des têtes de type ! Il y en a partout sur les murs ! Tu es sûr ? C'est ça, ou alors c'est le papier pas le plus moche que j'ai jamais vu. Oh, j'aime pas ça, chérieux ! J'aime pas. Bouh ! Bienvenue dans l'entre deux masques de mort, chevalier du cancer. Masque de mort, j'aurais dû m'en douter. Tiens, chérieux ! Alors, quoi de neuf depuis que je t'ai ridiculisé aux 5 pics en Chine? Seul un être aussi ignoble que toi pouvait avoir une décoration aussi ignoble que toi. Coquet, n'est-il pas? C'est un petit arrangement que j'ai fait avec les visages torturés des âmes de mes nombreuses victimes. Vous aimez? C'est Feng Shui. Tu vas payer pour tes crimes, assassin! Mon ami Pégase et moi, nous te vaincrons, au nom de la justice. N'est-ce pas, Seigneur? T'inquiète pas, je mange ta mort. Vraiment que je me trouve un meilleur ami. Tu verrais ta tête. Elle serait du plus bel effet dans mon boudoir. Misérable. N'as-tu donc aucun état d'âme? Oh mais si, bien sûr. Par les Bagdades. Oh. Et tadam. Je tiens vraiment pas l'alcool de riz. Oh mais, je revois! J'ai recouvré la vue! Mais alors cet endroit, c'est donc la Grèce! Bah comme quoi, faut jamais se fier au tour opérateur. Ce que c'est les... Oh! Là-bas, ça doit être des touristes en visite guidée. Ah, bah moi qui ai toujours rêvé de visiter l'Acropole, c'est l'occasion de... Et bienvenue au puits de l'enfer, mon frère! Là où tous les morts viennent se jeter inexorablement comme des lemmings. J'espère que t'as emporté ton petit parapluie. Désolé, masque de mort, mais si je dois un jour aller en enfer, ce ne sera pas avant 13 ans et plusieurs OAV. Oh, mais où je voulais faire ta tête à ce que je vois. Pour la peine, elle finira au-dessus de ma cheminée. Les histoires les plus courtes étant les meilleures, place à la chute. La situation est désespérée. Manquerait plus que les chevaliers d'acier viennent à mon secours. Et Babil le creux des animaux. Cette voix. Et Babil la plade. Ben voilà autre chose. Je me fais attaquer par des bulles de champagne. Oui, c'est bien elle. Shenrai. Une catholique de poudre la matin. Je me souviens de notre rencontre comme si c'était il y a 6 ans. À l'époque, je venais d'arriver aux 5 pics en Chine pour devenir chevalier. Ainsi donc, tu es venu aux 5 pics en Chine pour devenir chevalier. Bah c'est plus ou moins ce que vient de dire le narrateur. Bon d'accord, je veux bien t'entraîner. J'ai rien d'autre à faire de mes journées de toute façon. Parfait, le temps de poser mon sac à dos invisible et je suis à vous. Elle est bien roulée, l'autochtone. Me dis-je. Ça, c'est Shenrai. Ses parents l'ont abandonnée à cause de la loi sur l'enfant unique. Alors elle vit ici, maintenant. Excellent. On sera donc deux camarades en compétition pour l'armure. Regarde. Son assurance n'a d'égal que son art du camouflage. Je dois réfléchir à comment la contrer. Mais Shenrai ne briguait pas l'armure du dragon. C'était juste l'esclave du vieux maître. Une fois ce qui quiproquo passé, nous fîmes plus ample connaissance. Bon, dis, on t'a abandonné parce que t'es une fille? Non, moi j'ai juste les cheveux longs. Et tandis qu'elle me parlait de son beau pays... Comment ça, un seul parti politique? Moi, je lui parlais du mien. Comment t'as tous les livres, ton pas petit et lourd? Nous n'étions encore que des enfants, mais une vraie relation se nouait déjà entre nous. On se mariera quand on sera grand? D'accord. Les mois passèrent. Et pendant que le vieux maître m'apprenait tout ce qu'il savait, c'est-à-dire surtout à rester assis, Shenrai me montrait toutes les beautés de l'Orient. Bon, bah t'as t'es l'Orient. Ah oui, en effet, c'est beau. Ah, Shenrai. Qui ne l'aimerait pas? Oh putain, comment sérieusement me prendre la tête la caricature maoïste?
Il est grand temps que je lui rende l'appareil. Et une dinette, et enfin la paix dans le monde. Voilà des têtes que t'en es pas trop demandé, Père Noël. Ah, de quoi que t'avais dit oui. Non. Ah non, c'est vrai, je suis complètement sourd. Et on dit que je suis pas un sans rire. Mille elle fait aux fesses. Voilà, oh, et j'ai pas signé pour une parodie de DBZ. Chevalier du cancer, tu me rends malade. Waouh, on l'avait jamais fait, dis donc. Je n'ai jamais ressenti une telle haine envers quelqu'un. Pas même les gens d'AB Productions. Tu as provoqué la colère du dragon. Et tu ne vas pas m'aimer quand je suis en colère. Oh non, il a envie un tableau animalier. Je suis fait. Hey, yo. On peut discuter. Pas envie. Ordure, comment quelqu'un comme toi a-t-il pu recevoir une armure d'or? Oh, je t'en prie, pas de son moral. Non, mais sérieux. Tu t'appelles Masque de Mort, tu décores ta maison avec des Maccabées, et ton attaque, c'est les vagues d'Hadès. Ils sont cons, ceux qui donnent les armures, ou quoi? En effet, c'est une bonne question. J'ai toujours pensé que le plus fort était forcément le... C'était une diversion! Ya! Aïe. 24 carats, petit. Faudra faire mieux que ça. Bah quoi, ça valait le coup d'essayer? Ça ne sert à rien, il est trop fort. Tant qu'il aura cette armure... Ne baisse pas les bras, Shiryu! Sinon tu vas tomber, forcément. Princesse Saori, vous, ici? Oui. Et je tiens à préciser que ma présence aux enfers et ma pâleur fantomatique ne sont en aucun cas la preuve de mon prétendu décès. Enfin bref, courage, chevalier. Tu vaincras grâce au seul pouvoir accordé par les dieux aux hommes. La puissance de l'amour? Non, le Deus Ex Machina. C'est l'heure du coup de grâce, Shiryu. Que tu crois? Regarde! Je jouerai jamais à la Juventus. Deuxième service. Prends ça. J'entrerai jamais au conservatoire non plus. Mais comment ça se fait? L'armure du cancer te rejette, Masque de Mort. Elle ne voit plus en toi un chevalier, car tu es trop mauvais. Mais je la porte depuis des années. Pourquoi elle se réveille que maintenant? Parce que... Mais heureusement pour toi, les dessins animés m'ont appris le fair-play. Wow, j'ai pas non plus signé pour un truc, eh oui. Pour le vaincre, je dois trouver le septième sens. Le vieux maître ne me l'a pas enseigné, car c'est un piètre professeur. Mais si cette andouille de Seigneur a réussi, tout le monde peut y arriver. Et prépare ta valise, Shiryu. Tu seras au tartare tôt ou tard. Ben c'est moi. Je rêve. Par la colère du dragon. N'apprécie pas l'ironie de la situation! Chevalier du cancer, tu meurs. Faudra que je la note celle-là. Oh. Shiryu! Seigneur, l'espérance de vie de mes compagnons laisse franchement à désirer. Mais. Oh! Shenrai! Oui, t'es Yud, tu l'as, fais-moi un gros câlin. Je t'ai reconnu, Shen. Bah juste alors, mon imitation était pourtant parfaite. Mais ça voudrait dire que... Hein? Shiryu, tu revois? Mais oui, c'est vrai. Oh, merci, Deus Ex Machina. C'est fantastique. C'est merveilleux. Oh, quelle joie. Je suis si heureux. Embrassons-nous. Shen. Bah quoi, j'avais le coup d'essayer. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon? Quand nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Hein? Un serial killer. Un tueur en série. Ah, serial killer. Ben voilà, j'ai sauvé Shenrai. Et pour une fois que je fais quelque chose, tout le monde s'en fout. On va traverser vêtements mouillés.